avions en dedans, derrière le club, numéro 6 se revient pour discuter les places, la passe finale avec le Mobile. Homme et Franck Denivard pour Patrice Soulois. Pour la deuxième place, le Vinci Gavi bosse un petit peu à l'extérieur, va peut-être être débordé tout à la fin par le numéro 6 des Poitrettes. 8-6 meurtres de nouveau d'accord. Le conservé de la classe, tout à l'extérieur, on va faire l'action. On va voir qui est. On a de son père. Ouais, la carte. Hein? C'est la carte. Eh, bon, hein? Ouais. Tu t'es pas lavé. Non, dans les tournants, tu voyais, c'était comme ça. J'ai refait les pas. Hein? Allez, on y va. Alors, c'est bon, Bravo, Franck. Nous arrivons, on va se retrouver sur le podium. Alors, on va peut-être y aller. Maintenant, en attendant, on va se retrouver. Moving on, la dernière fois, malheureuse, et aujourd'hui, elle montre qu'elle est au-dessus de la mêlée, en fait, dans cette catégorie. Ouais, parce que, bon, au début, c'était une jument plus à faire 250-300 mètres. Là, elle a progressé quand même. Elle peut aller devant, reprendre, faire l'extérieur des autres. C'est une jument qui est en train de monter en condition et monter en classe aussi, parce que je pense qu'il y a 2-3 mois, elle n'aurait pas été capable de faire ça. Mais là, c'est vrai qu'elle gagne bien aujourd'hui, c'est baladé. Est-ce que tu la préfères sur 2100? Non, elle a bien fait 2008 aussi. Elle a gagné en Anguin 2008, elle a gagné ici 2007 aussi. Non, je pense qu'elle va tout faire. Bon, peut-être que 2007, il ne faut pas aller devant par contre. Mais là, c'était une belle course, donc il fallait essayer de ne pas la perdre. Quoi. Et félicitations. Oui, voilà, c'est ça. Juste un petit mot, Fabrice, une petite parenthèse. Un mec déripré, on a lu dans le turf que son hiver était compromis, tu confirmes? Bah, compromis, peut-être pas. Hein. Le cheval, je vous dis, on a fait des analyses de sang, il a un problème. Donc voilà, on va pas prendre de risque. Ça sert à rien de le courir déjà, pour faire n'importe quoi. Et puis, voilà, on va suivre ça comme il faut. Peut-être qu'il courra en fin d'hiver ou en début de printemps. Voilà. Est-ce qu'on prévient tes amis suédois qu'ils pourraient être du voyage l'année prochaine pour dans les grandes courses? Je sais pas, on va voir. Pour l'instant, je vous dis, on essaie de soigner ce problème-là, de le remettre bien, et puis après on verra.